Et bienvenue en live avec Luciano pour la deuxième game de ce BO3, finale loser bracket de The Premier League 3 entre Team Dignitas et Virtus Pro. Et j'ai juste envie de dire un petit truc, j'ai l'impression que les équipes font une petite dédicace à la FrogetTV, Nyx Assassin, Keeper of the Light, Phantom Lancer, j'ai envie de dire, voilà, les héros de la FrogetTV quoi, les héros de la FrogetTV. Bref, Batrider, Magnus de ban côté Team Dignitas, Wisp d'Arctir côté Virtus Pro. On peut voir l'apparition d'un Nyx Assassin en first pick côté russe, avec l'apparition d'un Bounty Hunter juste après. On va voir quel va être leur troisième pick. J'ai le hockey, c'est complètement horrible. Keeper of the Light, Phantom Lancer qui arrive juste en face pour Team Dignitas en seconde pick. Donc Team Dignitas qui se dirige vers ce que vient de faire Virtus Pro en fait. Simplement. Alors il y a déjà eu des tournois au random, mais c'était vraiment débile. Les CM River, c'est ce qu'il y a de plus équilibré quoi. Il faut des CM de toute façon pour que ça soit équilibré, parce que les all random, selon ton random, t'as perdu ou pas quoi. Moi je me souviens, j'adorais les all random, mais selon la partie, t'as perdu quoi. Parce que quand tu tombes avec des... Je pense que le all random, il devrait faire un all random avec... Avec quand même des catégories quoi. Tu peux random que 3 carries, et tu peux random que 2 supports, et tu peux random que... Vous voyez ce que je veux dire. Peut-être l'améliorer un peu. Ça semble plus équilibré. Nature's Prophet qui vient d'arriver sur Virtus Pro, enfin côté Virtus Pro, et le Beastmaster côté Team Dignitas. Donc pour le moment il nous faut un remake, hein, tout simplement. Il faut un remake, il manque juste... il manque qui derrière? Il manque Undying et un autre héros. Mais Nature's Prophet, qu'ils n'auront pas donc. On va arriver dans la deuxième phase de ban, Undying justement, d'enlever côté Virtus Pro. La Luna, côté Dignitas. Alors, on va essayer de réfléchir, Nyx Assassin qui est un support, Bounty Hunter Hardane, Nature's Prophet mid ou wood, Nyx Assassin mid peut-être. Eh, ça pourrait être intéressant, Nyx Assassin mid, Bounty Hunter Hardane, Nature's Prophet wood, et il manque en fait... la lane en haut côté Virtus Pro, côté Team Dignitas, Phantom Lancer, Keeper of the Light en safe lane en bas, Beastmaster en hard lane ou en mid, on verra. Genre SD, bah SD non, parce que SD c'est pas par catégorie, c'est force, agilité, intelligence. Là c'est plus par catégorie. Comme le dit Ikra. Par exemple, tu peux random que 2 tanks au maximum. Bon, après, que ça soit quand même de l'aléatoire, que tu puisses tomber sur une team merdique, parce que c'est ce qu'il y a de marrant dans le all random. Mais bon, moi j'ai déjà fait un air où tu chopes Weaver, anti-mage, Void. Derrière, t'as Centaur Axe, bon, t'es pas super quoi. Hein, tu te sens pas au mieux de ta forme, on va dire. Donc bon. Si on peut éviter ça, par exemple, ce serait pas mal. Alors, en termes de ban, Rubik et Sven qui sont arrivés côté Virtus Pro, Shadow Demon, et on va voir le dernier ban côté Dignitas. Je me demande si le Beastmaster pourrait retourner mid contre un Nyx Assassin. À mon avis, le Nyx Assassin l'emporte largement. Selon moi, un bon Nyx Assassin qui arrive à par exemple envoyer à chaque fois la spikette, enfin les haches sur la spikette carapace, le Beastmaster fait. Enfin, sourit pas. On va voir, surtout que derrière il a le mana burn qui fait bien chier ce Beastmaster. Donc ça pourrait être intéressant. Sauf si ce Beastmaster décide de jouer Call of the Wild. Et dans ce cas-là, ça peut être intéressant. Les Shrak qui vient d'être pris par Virtus Pro, ça c'est un héros intéressant. Est-ce qu'on va voir apparaître un Chaos Knight en dernier pick pour Virtus Pro? Ce qui pourrait faire la double ligne en bas par exemple. Les Shrek Chaos Knight, les Shrek... Oh putain, Sand King. On va voir apparaître un Sand King. Oh oui. Pas du tout. J'aimerais bien.
Bah t'as le RD sinon, mais c'est moins funky quoi. Alors Team Dintas, il leur manque hard lane ou mid selon le Beastmaster, soit un deuxième support, soit un wooder, chaîne, enchanteresse, etc. Ça pourrait être relativement intéressant, mais c'est des héros qu'on voit beaucoup moins apparaître, le chaîne enchanteresse. Je sais que le chaîne est parfois énormément ban dans la deuxième phase, selon sûrement le type des trois premiers héros, mais non, pas AM. AM, c'est impossible qu'il apparaisse. Avec le Shrak, il n'y a aucune combinaison possible. Non, ce sera un héros carrier avec un stun. Skeleton King, sinon. Ils nous mettent un petit Skeleton King avec Virtus Pro, là. Les Shrak Skeleton King en bas. Ils sont bien, quoi. Enigma, donc le Wooder côté Team Dintas ou le Hardliner. Et ça va être un Void. Le micro du commandateur ne fonctionne pas sur Dota TV. Ça va être réglé, je suis désolé, j'ai oublié. En plus, c'est moi qui l'ai désactivé pendant la game. Pendant la game fun. Et je l'ai. J'ai oublié. Donc c'est gentil. C'est réglé. Désolé. Anonyme. Donc Faceless Void qui va apparaître pour Virtus Pro. Il n'y a pas grand chose pour contrer un Faceless Void. C'est-à-dire que la chrono va passer au-dessus de tout. Et alors il faut du contrôle. C'est-à-dire que là, ils ont le Primal Roar du Beastmaster qui peut être intéressant s'il n'est pas dans la chrono. Il faut quelque chose qui puisse le stun à distance. Et malheureusement, ils en sont un peu en manque. Ils vont prendre un Bane. Et bah c'est une très très bonne idée. Très très bonne idée. Très très bon pick pour Team Dignitas. Le Bane en réaction à ce Void. Le Bane qui va être, je pense, en haut. Beastmaster, donc mid. Et Enigma Hardlane, à mon avis. Mon pic. Alors je vous invite d'ailleurs à aller sur le forum Frogate TV, j'en vois parce que je vois l'animateur Frogate TV qui est en train de me parler. Et je me dis allez sur le forum, on est en train de créer une petite team Frogate TV pour la ligue D2B Dota 2 Bourbier qui va se lancer. Je vous invite aussi à aller sur ce site d'ailleurs si vous voulez jouer avec votre équipe. Ou pas d'ailleurs, rencontrer la communauté française qui se concentre majoritairement là-bas pour le moment. Et je pense pas que ce soit que pour le moment. Donc voilà, donc allez sur le forum Frogate TV, on monte une équipe et j'en fais partie. Et avec plein d'autres viewers. Donc voilà, donc on sera peut-être beaucoup trop, on verra. Mais et moi je jouerai peut-être pas non plus 40 000 matchs selon mes dispos. Le but c'est si quelqu'un a envie de faire un match compétitif, il puisse quoi. C'est ça le but. Donc voilà. C'est moi ou le micro de Lulu fait un drôle de son régulier? Mais non, c'est moi, c'est pas toi. Malheureusement, mon micro est complètement dégueulasse. Alors, c'est pas mon micro qui est dégueulasse parce que mon micro est très correct. Hein. C'est SteelSeries Siberia V2, donc il y en a plein d'autres qui l'ont. C'est ma carte son qui est complètement dégueulasse et qui fait. Et qui est. Que j'arrive pas à régler correctement. Donc malheureusement malheureusement voilà. Alors pour quel type de level? Alors viens pas si t'es complètement noob parce que moi je vais peut-être rager si je joue. Si t'as un peu de connaissance dans Dota, que t'as pas des kicks, que t'as pas envie de te prendre la tête, viens quoi. Enfin tu peux venir si t'es noob, de toute façon on verra qui joue, on sait pas trop comment s'organiser mais voilà. Alors j'ai pas parlé des lanes. Bane, ils vont partir en 3 lane agressive. Bane, Keeper of the Light, Phantom Lancer, très très bonne ligne. Un petit Nightmare, la lance du Phantom Lancer quand l'Illuminate part, et c'est parti. La Haste récupérée par les Shrek, et Nyx Assassin qui va être en bas avec Faceless Void au milieu en solo mid contre le Beastmaster. Donc ça c'est intéressant. Et le Bounty Hunter qui vient déjà faire chier. Non, qui vient pour les creeps, d'accord. Qui vient juste pour les creeps sous sa tour. Il y en a déjà un de moins, donc l'Enigma qui va être en safe lane. Et en fait, j'avais aucune ligne de bonne. En fait. Simple que ça. Il va peut-être falloir qu'il fasse un petit échange. Que le Nyx aille en haut. Le Leshrac qui va aller au milieu. Et ils ont une ward.
ils ont une ward qui l'ont vu ici, qui ont vu le Leshrac prendre la haste. Je pense que le Beastmaster se méfie. Qu'est-ce qu'il a, ce Leshrac? Il a pris le stun? Il a pris le... Putain, le freeze. Il a pris Diabolic Teddy, j'espère que le stream n'a pas planté. Diabolic Teddy qui va être lancé, qui va permettre de faire un peu de picotis à ce Beastmaster et de le faire reculer. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose. J'espère que le stream n'a pas planté. J'ai eu un de ces freeze total. C'était un peu violent. Le Bane qui va revenir aider son compatriote. J'ai l'impression qu'ils vont rester à deux. Donc ça va être Faceless Void, Leshrac mid pour le moment. Le Nyx Assassin qui se ramène Magic Stick et Salve, le Nature's Prophet dans les bois. Le Bounty Hunter qui va avoir pas trop de mal face à cet Enigma. Il est pas trop en danger. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va pouvoir prendre de l'XP, farm, etc. etc. Il va acheter une Orb of Venom, Triomphe qui a déconnecté. Je pense qu'il va encore demander une pause. Donc vous voyez, lui aussi. Et lui, il a déconnecté deux fois plus que moi. Des games. Donc vous voyez, et c'est le streamer officiel, hein. Il est à 14 000. Hein. Alors oui, vous êtes pas si mal lotis, les gars. Hein. Pas si mal lotis. Et le Phantom Hunter qui a plus du tout de mana. Alors il est avec un Keeper of the Light. Ce qui est intéressant avec Nissan, c'est que vous allez pouvoir spammer votre mana burn, puisque le mec va toujours rajouter de la mana. Keeper of the Light qui est peut-être. Qu'est-ce qu'il venait à faire? Il venait peut-être poser une ward. Je sais pas trop. En tout cas, le Nyx Assassin, il n'hésite pas à être agressif. Hein. Il est très très avancé. Il a toujours pas pris Spike de Carapace. Malgré la présence du Keeper of the Light. Il peut pas faire d'Illuminate, hein, ce Keeper of the Light. Il va lui falloir son niveau 4 assez rapidement. Notamment, voilà, pour éviter par exemple les... Ça a fait beaucoup d'illusions, quoi. D'un coup, c'était assez violent. Avec le combo Bounty Nyx, le Nyx peut se faire un stand, le Bane peut se faire un stand des pop, c'est totalement vrai. Et que ça soit le Bane ou le Keeper of the Light, ça va vraiment pas être évident pour ces deux héros qui peuvent se faire des pop. Même le Phantom Launcher peut se faire des pop à une vitesse folle. Hein. Ils ont tellement un burst, tout le monde peut se faire des pop, l'Enigma aussi. Beastmaster peut-être un peu moins parce que c'est un héros force qui tank un peu plus, mais ça reste assez compliqué. Hein. Et voilà, c'est ça l'intérêt du Spike de Carapace, ça va être de renvoyer toutes les lances et tous les Illuminates qu'il va prendre dans la gueule. Il va avoir son niveau 3, j'ai hâte de voir ce qu'il prend comme niveau 3. Chakra magique ou... Ouais, ça va être chakra magique. Donc ça va être un gros spam. C'est une ancienne, hein. C'est à l'ancienne, le Keeper of the Light, qui va spam ses lances, je pense. Peut-être qu'il va attendre d'être un peu plus au corps à corps, alors que l'Enigma se fait bien chasser par le Bounty Hunter en haut. Oh, c'est tellement bien joué. Il la brain juste pour pouvoir lui lancer un super stun qui va arriver de la part de ce Nyx. L'Illuminate qui arrive derrière, faut faire attention. Il a pris énormément de points de dégâts. C'est pareil pour le Keeper of the Lake. Il peut pas aller plus loin. Le Nyx Assassin, il a sa Spike de Carapace qui est revenu. Il va pas falloir qu'il se fasse brain trop souvent. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le Phantom Lancer a mimé, enfin a feinté. En envoyant une lance et en l'annulant. Et le Nyx va falloir qu'il soit... voyez, il n'a pas eu le temps. C'est assez compliqué, hein, dans ce cas-là. Parce que vous savez pas quand le mec va vraiment l'envoyer ou pas. En haut, c'est Ben qui va se faire récupérer. Le stun du Shrek qui va arriver. Il n'a pas eu le temps de grand-chose de faire. Et il va tomber First Blood récupéré par le Bounty Hunter. Très beau placement de la part de ce Shrek. Il y avait même le Nature's Prophet qui est venu récupérer les deux charges d'urne, donc ça c'est intéressant, et ils vont pouvoir s'attaquer très facilement à cette tour. Le petit rayon qui est envoyé pour repousser les lignes, alors que le Nyx Assassin met un peu de pression sur cette... j'ai pas vu, le Phantom Lancer a eu très très chaud, j'ai pas trop vu comment malheureusement. Et la tour qui va tomber en haut, prise par Virtus Pro sans aucun souci. J'ai pas vu les... J'ai pas vu l'annonce comme quoi elle était morte. Je sais pas qui l'a lastite. Je sais pas si quelqu'un l'a eu ou pas. Bon, regardez peut-être l'argent, ça va rien nous indiquer du tout. Alors qu'est-ce qu'il se ramène? Il se ramène un Ring of Basilius, notre ami Bounty. Il est pas encore niveau 6. Donc ça serait intéressant qu'il le passe assez rapidement.
termes de la suite, le Void se démerde très très bien contre contre l'Enigma. Contre le Beastmaster, excusez-moi. Il se démerde très très bien. Il est à combien Alors il a fait un Ring of Elves. Il va peut-être partir très rapidement sur une Battle Fury, ce qui pourrait être relativement intéressant. Notamment quand vous avez un Phantom Launcher en face, c'est pas dégueu d'avoir du splash damage. Ils ont quoi clean hein, ces élus. Ils vont avoir le Lightning Storm un peu plus tard. Mais la partie qui est en pause, toujours passionnant hein, les parties qui posent. Les goals par minute qui sont largement à l'avantage pour le moment de Virtus Pro, notamment parce qu'ils viennent de prendre la tour en haut. Hein, donc c'est logique. En termes de goals, vous pouvez voir que ça a bien plafonné en haut. Et en termes de la site, le Void, le Phantom Hunter est pas dégueu. Je pense qu'il galère vraiment hein, ce Nyx Assassin se démerde vraiment, vous voyez, il a juste la mana pour le Spike Head Carapace, mais ça suffit. Putain, mais j'ai pas vu le mec se reconnecter, l'Enigma se reconnecter. Il y a des petits soucis d'affichage d'infos là à gauche. Faudrait que le PL il s'amène invisible, mais il a même pas pris. Il a un niveau d'ailleurs qu'il prend pas. Il a pris des stats. Ah, il a pris des stats. Bon, bon alors là, ça j'aime pas du tout. Alors ça j'aime pas du tout. Il a pas le double walk. Le Keeper of the Light qui est monté, qui va peut-être essayer de dépush tout ça. Niveau 6 atteint par le Bounty Hunter qui va pouvoir commencer à mettre énormément de pression. Vladimir en préparation très très rapide. Ce Vladimir de la part du Bounty Hunter. L'Illuminate qui va arriver. Le Maléfice peut-être. Un ulti. Il y a pas d'ulti sur Urbane puisqu'il est que niveau 3. Quelle blague. Une rune qui va être contrôlée par les Shrak. Est-ce qu'il y a quelque chose? Et le Void est en train de se précipiter. Il a la chrono. Ils vont pas y aller. Ils vont juste pas y aller. C'est dommage. Je pense qu'il y avait une possibilité. Et le Nature's Prophet va venir contrôler cette rune. Une rune de régénération. Parfait. Pile ce qu'il lui fallait. Qu'il va utiliser. Alors il a une bottle. Il s'est ramené une bottle. Le Nyx Assassin. Il va utiliser le crew pour renvoyer tout ça. Et il faut faire attention, il y a 4 héros au milieu pour les Dignitas. Je me souviens à la bonne époque où on posait des questions à chaque game pour offrir des clés. Oh, la bonne époque. Ça va partir le Bounty Hunter qui va prendre un peu de poke, le Phantom Hunter qui est monté. Du coup, il n'y a plus personne, le Nyx 5 qui va pouvoir se faire plaisir. Je sais pas ce qu'il a acheté, il a juste acheté sa bottle, il est complètement AFK, il va TP en haut d'ailleurs. Et il va peut-être essayer de gang, il est niveau 6 je pense, non? Et niveau 7 même. Ah il est niveau 7, il va se mettre en ulti et il va venir essayer de récupérer ce Phantom Lancer qui est traqué en plus. Alors ça c'est une mauvaise chose, hein. Il est niveau 5. Attention, tada, et c'est le kill. Aucun problème, récupéré par le Bounty Hunter, un kill de track en plus qui va filer énormément d'argent à ce Bounty Hunter. S'il a la cata, hop, c'est le Morbid Mast qui arrive. Et donc le Vladimir qui est prêt pour une smoke qui présente où ça va partir. La chrono qui part, qui est bien placée, c'est qui est en train d'arriver? Le Nyx Assassin, le Nature Prophet qui est en train de TP dedans avec un ulti qui arrive juste après. Le stun qui a été loupé malheureusement, le Sprout. Le stun juste derrière de la part du Nyx Assassin, il s'en mêle un peu les pinceaux. Est-ce que ça va suffire? Ça va pas suffire. Et l'urne qui se finit juste à l'instant, malheureusement. Ah, c'est dommage, le stun du Eshra qui a été un peu loupé là. C'est un peu con. En tout cas, une belle chrono de la part du Void qui a maxé, je pense. Donc, qui était que niveau 1, donc il y avait une range que de 700. Et ça a quand même suffi pour faire une très belle engage, une très belle chrono. Le Bounty Hunter qui est toujours en haut, qui essaye de faire tant bien que mal, qui s'amène d'ailleurs sa Vladimir, qui va pouvoir commencer à farm les golems. Sans aucun souci, vous voyez, qui va pas perdre de points de vie.
Surtout avec, avec le Bourman Shield, hein, qui est très intéressant. Une bottle, une as qui est récupérée dans la bouteille de Nyx Assassin. Un ulti qui est prêt d'ailleurs. Il va peut-être partir sur le Phantom Lancer encore une fois. Pourrait être intéressant. Avec l'aide du. Avec le Void, c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux. Et ben il va partir quand même en. Il va partir en ulti. Il y a une sentry. Il y a une sentry au milieu. Il est totalement au courant. Il va vite essayer d'utiliser cette. Cette ulti haute part, il va aller dans les bois, il n'y a pas grand monde. Il y a encore une sentry, hein. Il va passer en plein dessus d'ailleurs. Voilà, en plein dessus, c'est nickel. Il va venir essayer d'aider son Moody Hunter qui va prendre le Primal Roar. Il y a de quoi le voir, je sais pas trop d'où. Il a été dust. Et en attendant, un super stun de la part de Nyx Assassin qui va permettre de récupérer Skipper of the Light. Il est un peu derrière, ça va s'arrêter là, je pense. Il y avait aussi le Leshrac qui était en soutien. Et en termes de farm, le Void qui est passé devant. Devant en termes de gold par minute aussi. Le bounty qui est forcément assez haut grâce au track. Grâce au track, tout simplement. Radiant's bottom tower is under attack. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Ça va partir, un stun qui part sur Onyx, c'est ça, qui va être obligé de mettre son stun, c'est très intelligent et ça va permettre de récupérer le kill avec l'ulti du Nature's Prophet. Le Bane qui est en train d'arriver, qui est que niveau 5, qui va mettre un Nightmare et va y avoir de quoi le récupérer. Yep. Il y a le Primal Roar, je suis pas sûr que c'est utile. J'ai rien dit, ça va être utilisé. C'est même Fogd avec son Keeper of the Light qui va récupérer le kill. Fogd qui joue les carries d'habitude ou les solomines et qui joue le Keeper of the Light. Je viens de tilter ça d'ailleurs. Bounty Hunter qui est dans le coin, ils sont en train de mettre des sentries à peu près partout. Le niveau 6 du Bane qui a été récupéré et donc qui vient d'avoir son cooldown d'ulti. Il va falloir faire attention à ce Bounty Hunter, à ce qu'il se ramène pas trop sous la sentry. Une ward qui a été posée, ils vont pouvoir vraiment bien arriver. Hein. Est-ce que les dégâts de la Lothar s'ajoutent à ceux de la Vendetta? De toute manière, tu peux pas avoir les deux d'activer ensemble. Hein. Alors, je ne vois pas comment tu fais. Si tu mets Lothar et que tu mets Vendetta après, la Lothar va s'enlever parce que tu auras utilisé une compétence active et c'est pareil pour la Vendetta. Donc, de toute manière, je suis pas sûr que tu puisses avoir les deux en même temps. Il y a beaucoup de sentry, hein. Là c'est un piège à con qui est en train de faire Dignitas. Et ils vont le voir, il n'y a pas de Primal Roar. Par contre il y a l'ulti qui va directement être utilisé dans l'Illuminate. Et ça va s'arrêter là, il y a juste une track qui a été utilisée par le Bounty Hunter. Mais qui va fuir assez rapidement. Alors sinon, si tu pouvais être, je pense que ça s'ajouterait, hein, parce que... À partir du moment où tu tapes la première fois avec Lothar, ça salope, mais de toute façon tu ne peux pas. De toute façon tu ne peux pas. Pour le moment une partie légèrement à l'avantage de Virtus Pro, je dirais, ça va se ressentir. Regardez au niveau des golds, 4000 golds d'avance pour Virtus Pro. Alors qu'il y a un peu d'XP aussi d'avance. Et Lancer's Prophet qui a pas fait grand chose, qui a fait un médaillon. Ils vont peut-être partir très rapidement sur un Roshan, hein. Je vous rappelle qu'ils ont le Vladimir de Bounty Hunter. Ça m'étonnerait pas de voir sécuriser le Roshan, notamment pour ce Void qui part sur une très rapide Battle Fury et qui va avoir besoin de survivabilité assez rapidement. Donc ça pourrait être intéressant. Il a maxé son time lock. Il va avoir besoin de son backtrack assez rapidement. Le Primal Roar qui est disponible, est-ce qu'il va avoir la portée? Il en est assez loin. Il en est assez loin, aucun souci là-dessus. La tour qui est presque deniable à un ou deux coups près, alors que, bah voilà, c'est le gros all-in qui vient d'arriver. Le Spike et le Carapace qui a été très bien posé, qui a envoyé le Roar, mais par contre il va quand même finir par tomber. Le Bounty Hunter qui est en train d'essayer. Et la chrono qui est utilisée pour la stit. Voilà, chose faite. Lunette qui va arriver, mais le Void est déjà parti. Alors qu'ils sont en train aussi d'essayer de push mid, le Diabolic Tidic qui va être utilisé. C'est dommage qu'il y ait ces petites illusions parce que ça va bien ralentir le push. Et le Phantom Lancer qui va réussir à faire reculer les deux héros Virtus Pro à lui tout seul.
Alors qu'est-ce qu'il s'est fait? Qu'est-ce qu'il a? Il se ramène une Magic Wand. Ok. Je suis un peu déçu. Le Bounty Hunter est pas mal du tout hein, dans cette partie. Hein. Ça va être un Bounty Hunter vraiment emmerdant. Alors le Void, il vient d'avoir sa Battle Fury. 14 minutes. Hein. Battle Fury 14 minutes, c'est un... C'est, bah, c'est bien. C'est très très bien. Et il va pouvoir commencer à farm de manière un peu... je trouve plus le mot. Je trouve plus le mot. Bref, il va farmer très vite. Il va farmer très très vite. J'ai un vieux trou. C'est pas grave. Enigma, toujours dans les bois, le fantôme de qui traque et qui va remonter en haut. Qui c'est qui est en haut? C'est le Nyx. Café des arcanes. Café des arcanes. Il y a une invisibilité sur le Beastmaster qui a envie de partir. Le Primal Roar qui va partir pile sur l'Illuminate. Le Bounty Hunter qui va se faire littéralement défoncer. L'ulti qui part derrière sur le Shrek. Un petit freeze encore une fois. Le Shrek qui est pas bien du tout. Qui va peut-être finir par tomber. Le Maéfice. Le Black Hole qui a été instantanément instant. Et le Shrek qui va s'en sortir. Notamment grâce au Spike de Carapace. Si je dis pas de bêtises. Non, je suis pas sûr du tout. Pourquoi? Pourquoi? Comment ce Black Hole a été cancel? C'est lui qui l'a cancel, il me semble bien. Alors ça, c'est bien con. Ça, c'est bien con parce que du coup, l'Eshrak, il est vivant et l'Enigma, il est mort. Et voilà. Je suis pas sûr que le Spike de Carapace est cancel. Il me semble que le Spike de Carapace a été mis après après le Black Hole. Exponentiel. Voilà. Merci beaucoup, Plagir. Merci. J'allais dire, je sais pas pourquoi j'ai bugué, j'allais dire il ferme de manière expansive, mais c'est pas du tout le bon mot. Et je m'en suis rendu compte avant de le dire, mais je trouvais plus le bon mot. Bref. C'est à Carapace qui a cancel le Black Hole. Bah il me semble pas, il me semble que la Carapace en plus elle a été stun. Elle a stun sur un coup d'Edolon. Parce qu'on a vu l'Enimax stun après, on a eu le temps de voir poser le Black Hole et faire ça. Donc je pense que c'est lui-même qui l'a cancel. Mais il a été stun après le cancel du Black Hole. Donc je pense qu'il l'a cancel tout seul. Ouh, une sentry qui a été posée pile sur le Bounty Hunter. Il aurait été stun pendant le Black Hole au final, l'Enigma. Un ulti donc un peu gâché de la part de ce Nyx Assassin, il va lui falloir son niveau 2. Et vraiment au niveau 3 le Nyx Assassin devient une bête de gang. C'est à dire que vous avez votre invité en permanence, vous pouvez vous balader à peu près partout sur la map. Et ça devient vraiment dangereux pour tout le monde. Dès que vous l'avez, vous l'utilisez. Ça dure 50 secondes, ça soit duration, voilà, sur 50 secondes et vous avez 50 secondes de CD. Donc à partir du moment où vous êtes plus visible, enfin vous êtes visible, vous avez votre ulti qui revient. Donc voilà, donc vous êtes invisible en permanence, c'est ça qui est intéressant. Au niveau 16. Sous condition d'avoir la mana bien sûr. Une partie qui se calme un peu en termes d'avantage gold, c'est toujours Virtus Pro qui farme un peu mieux, notamment grâce à ce Void qui est en train d'exploser les compteurs à mon avis, vous pouvez voir. Alors le Phantom Lancer est bien remonté, il est passé au-dessus du Bounty Hunter. Bounty Hunter arrive un peu moins à farm ces derniers temps. C'est pas farm le mot mais... Mais il kill beaucoup moins alors qu'en bas le Primal Roar et l'ulti du Bane je pense a permis de récupérer le Void que j'ai un peu loupé, je suis un peu désolé. L'Enigma qui va s'avancer sur une ward. Aïe, aïe, l'ulti du Nyx Assassin qui est posé. Et l'Enigma qui se doute pas du tout qui va prendre un gros gang bang. Le Leshrac qui va récupérer le kill. Là c'est compliqué hein. Là vous pouvez lâcher le clavier, de toute façon vous êtes mort. Fusel Blade qui est arrivé sur ce Phantom Lancer en attendant. Mais qui a son préparation aussi sur le Keeper of the Light. Ça, j'ai vu ça tout à l'heure. 2 TP sur le Beastmaster. Il est en As, faut faire attention. Il vient de te faire stun. Il prend énormément de dégâts. Il n'a pas eu le temps de se faire cancel. Et sa As vient de se terminer. Aïe. Alors, ça, c'est dramatique pour notre ami. Il vient de se faire recall. Et je sais pas ce qu'il y a cancel. Je pense que c'est juste une petite attaque du Nyx Assassin qui a cancel le recall. Très bien joué. Et le Shrak qui a récupéré encore une fois de plus un kill sur le Beastmaster. Le Bane qui a récupéré une gemme, ça c'est une bonne chose parce qu'il y a un gros contrôle de map de la part des Virtus Pro grâce à Nyx Assassin et Bounty Hunter et parce qu'ils ont des wards aussi très agressifs, hein, comme par exemple ici une ward assez agressive qui a permis de récupérer un Enigma un peu imprudent. Ils vont venir défendre cette tour, ils vont même pouvoir la deny. Et c'est là où on va voir, regardez,
L'impact du Nyx, hein, il est à 2-5. L'impact du Bounty, 3-2. Il a sur 7 kills sur 9 le Nyx Assassin. C'est vraiment un héros très très intéressant, très mobile. Et qui va apporter énormément d'argent à l'équipe, rien que par ses gangs. Par les assists qu'il va donner à ses coéquipiers. Necronomicon qui a été complété par le Nature's Prophet. Ça j'avais un peu loupé. Ils ont peut-être envie de venir défendre là d'ailleurs les Dignitas. Ça me semble compliqué, hein. Ça me semble très compliqué. Et pour le moment ils vont laisser tomber la tour tout simplement. Et ils vont même venir défendre là-haut la tour qui est encore bien. Ouh, la traque qui est passée de la part de ce Bounty Hunter, ça c'est une bonne nouvelle. Ils vont peut-être pouvoir essayer d'aller le gang, notamment ce Nyx Assassin. Ce serait bien d'aller essayer de gang Phantom Hunter. En tout cas il est vu, hein. il est vu par une ward. Je pense que le Phantom Hunter se doute que ça bouge dans sa position. Et moi j'aimerais bien prendre un peu de temps pour changer une petite config qui me dérange. On serait bien que les équipes posent un petit peu. Alors en Networks on en est où? Le Void qui est largement devant, je pense qu'il s'est ramené autre chose. Il s'est ramené un Yasha, notre ami Void. Le Phantom Lancer, il a peut-être. Ça m'étonnerait qu'il ait fait autre chose. S'il a fait Yasha aussi. Ok, donc il a un peu d'argent sur lui, je pense. Pas tellement en plus. Pas tellement. Qu'est-ce qu'il y a en préparation? Il y a du stuff de support qui arrive pour le Leshrac. Et le Bounty Hunter, il a juste. Il a Yasha aussi. Il y a déjà 3 Yasha sur place. 3 Yasha dans cette game. Alors, attendez, je vais modifier un petit truc. Non. Pas maintenant, je sens que ça va fight. Oh mon dieu, le nombre de wards présentes qui sont achetés par Dignita. Je pense que Foyer se tue à la tâche. Il y a 52 last hit. Ce qui est vraiment pas mal pour un support. Et ce qui lui permet d'avoir énormément de last hit. Enfin de ward pardon, justement. Il va essayer de tuer très rapidement le petit cochon. C'est chose faite. Alors qu'ils sont en train de passer autour avec une smoke. Je pense qu'ils l'ont mis en plein sur cette sentry, hein, la smoke. Et ça va partir. Le Void qui vient d'utiliser le Bling Leg qui est très bien posé. Ça va pas sauver cependant le Bane. Le TP du Nature Prophet qui va permettre d'enfermer le Keeper of the Light. L'Enigma qui va tomber aussi après un bon spectre de carapace de la part du Nyx Assassin. Et personne n'est mort. Côté Virtus Pro, une très très belle fight. Il y a qui? C'est qui ici? C'est le Nature's Prophet. Le Phantom Hunter qui va être récupéré par le Void. Et la tour qui va tomber. Alors attendez, hein, je vais essayer de changer un petit truc. Voilà. Voilà, nickel. Il faut un autre petit truc. Je vais changer juste après. Je pense que je vais me permettre, hein. Je suis désolé, c'est pour que ce soit plus agréable. Et surtout, je le fais sûrement à la dernière partie. Non, ça doit pas être là. Spectateur. Où est-ce que c'est ça? Ah, je peux pas. Voilà, nickel. C'est bon, j'ai tout mis à jour. Désolé. Très très belle fight, hein, de la part de Virtus Pro. La chrono était pas exceptionnelle parce qu'elle a juste pris le Bane. Elle a cependant permis de le tuer très très rapidement. Donc c'était intéressant. Vous pouvez voir qu'il monte l'Unfeeble. C'est vraiment pas comme ça que ça se jouait avant un Bane. L'Unfeeble était très peu utilisé parce que pas efficace, très facilement dispellable. Maintenant il n'y a plus rien qui dispelle l'Unfeeble. Et ça en fait un sort très fort puisque ça réduit de 120 les attaques. Et ça va partir sur ce Leshrac qui est complètement seul, qui va prendre l'ulti du Beastmaster. Ah, il est mort. Il est tous. Ouh, c'était très tendu. Le Nature Prophet qui vient aider. Le Leshrac qui prend l'ulti, qui est pas mort pour le moment. Il va réussir à mettre un stun. Est-ce qu'il va s'en sortir? Non, c'est pas possible. Il va pas s'en sortir. Le Leshrac qui s'en sort. Très très beau backup de la part de Virtus Pro. Ils sont tous arrivés d'un coup. Oh là, ça c'est dramatique, hein. Perdre le Beastmaster et Bane sur un gang comme celui-là, c'est un peu dommage. Il y avait aussi l'Enigma qui était dans le coin et qui a terminé un Necronomicon. Et les Shrek qui s'en sort. Et les Virtus Pro qui font preuve d'une très très belle. Oh mon dieu. Si vous avez pas vu ce qui s'est passé, c'est un peu dramatique. Dire's bottom tower has fallen.
la Bling Dagger du Nyx Assassin. Alors moi ça fait longtemps que j'ai pas vu jouer en compétitif, mais c'est très étonnant. Oh mon dieu, Maléfice qui va peut-être être utilisé. Maléfice qui est utilisé, mais c'est trop tard, un petit prophète qui récupère le kill. Et les Dignitas qui s'offrent 1-1. Qui s'offrent 1-1. Le Roshan qui va arriver juste après. Le Phantom Lancer qui essaie de farm le plus qu'il peut. Ce serait bien qu'il sorte peut-être une Radiance. Il va peut-être essayer de sortir une Manta. Une Radiance pourrait être cependant très très intéressante avec Illusion. C'est vraiment un des meilleurs items pour Phantom Lancer. Parce que quand vous lancez une lance, ça va vous faire une illusion de vous, ça va burn la mana avec avec votre Diffusal Blade, et la Radiance va permettre de burn en plus la vie. Donc c'est très intéressant, mais là Virtus Pro qui domine tellement cette partie, c'est impressionnant. L'argent et l'XP mais décolle, regardez, plus 15 000 gold, les illusions ont toute radiance, ou les illusions ont toute radiance. Alors bien sûr ça stack pas, tu peux avoir qu'une radiance active sur un ennemi, mais tes illusions auront radiance, ce qui veut dire que bah, tu peux envoyer des illusions fermées à ta place. C'est ça qui est très fort avec le Phantom Lancer. Et je pense que c'est sur ça qu'il est en train d'économiser. Ah, quoique non. Il a acheté. Ah bah oui, il a fait Manta. J'avais loupé. Il a fait Manta, ouais, je suis pas fan. J'aurais préféré qu'il garde Yasha et qu'il parte sur une radiance très rapidement, parce qu'il va en avoir besoin malheureusement pour lui. Il va vraiment en avoir besoin. Et d'ailleurs, ils sont en train de le chercher, j'ai l'impression. Ils savent qu'il est dans le coin. Il vient de se faire recall, non? Non, il a TP, tout simplement. Il vient tout simplement TP. Aghanim en préparation sur ce Beast Master. Il lui manque juste le Beast Sticks of a 1000. Lui, il vient de passer juste sur la sentry. Je sais pas s'ils l'ont vu. Ouais, s'ils l'ont vu, je pense. Il est passé, mais juste sur la sentry. Hein. Vous pouvez voir, je sais pas s'il reste une sentry sur la map. J'ai pas l'impression. La sentry, en fait, elle était ici. Et la sentry, elle a une zone de vision comme ça. Donc si vous passez dessus, vous avez une seconde où vous êtes visible. Et malheureusement, il est passé dessus, et si quelqu'un est attentif, il le voit. Pas Vladimir, Midas. Manta Style, de complété par le Bounty Hunter. Manta Style complété par le Festus Void. La Spike Head Carapace sur le Keeper of the Light pour qu'il prenne cher. C'est ça l'intérêt du Nyx Assassin. C'est pour ça que c'est si fort contre le Keeper of the Light. Il va peut-être en renvoyer une d'ailleurs. Non, il aura pas le CD, je pense. Non, il aura pas le CD. Il a préféré reculer alors que le Keeper of the Light, le... Oh, mon dieu! Le Phantom Lancer est en train de push de son côté. C'est pareil pour le Nature's Prophet. Et ça va partir, j'ai l'impression. C'est qui? C'est le Beast Master qui s'est fait spiker le carapace. La chrono qui arrive juste derrière. Il est toujours pas mort. L'ulti qui part sur le Void. Ça y est, le Nyx Assassin vient de le terminer. Le Void est pas très bien. Beau Black Gold qui arrive derrière pour sécher le Void. Et le Bounty Hunter, le stun qui va arriver. Très bien, très beau placement là de la part du Nyx Assassin qui va essayer de finir. Voilà, chose faite, il vient de finir. L'Enigma, le Phantom Lancer, est-ce qu'il est dans le coin? Il est dans le coin. Et la dagger à la sortie du Nightmare. Normal pour essayer de s'en sortir. Je vous rappelle qu'il a il l'a mis un tout petit peu trop tard. Le Brain Sap qui est passé, faut qu'il fasse attention. Et le Void qui a buyback, je pense, et qui vient de revenir. Non, il a pas buyback, il est pas mort. Il avait la Aegis, bah voilà, il va perdre la Aegis. Comment il est pas mort ce Void? Il est au milieu du Black Hole, j'étais persuadé. En tout cas, l'illusion du Phantom Lancer vient d'exploser sous les coups du Nyx Assassin. Mais Virtus Pro va réussir à prendre des racks. C'est surtout ça qui est intéressant. L'Illuminate qui va encore se faire renvoyer par le Nyx Assassin. Hop là. Mais qui permettent des push quand même, hein. C'est important de faire ça. Et l'Arax qui va tomber. C'est qui? C'est le Phantom Lancer qui est sur le côté. Il farm vite quand même, hein, ce Phantom Lancer. Il farm très très vite. Vous voyez qu'il est à 235 creep. Il est derrière en gold par minute. Tout simplement parce qu'il y a énormément de tours qui sont tombés. En faveur de Virtus Pro, et ça se ressent en termes de gold, hein. 20 000 gold atteints d'avance, 20 000 d'XP, le Roshan qui repop dans un petit peu de temps, 6 minutes, donc ils ont vraiment le temps de patienter. Il va acheter... Il va compléter Bloodstone. Très beau farm aussi de la part du Leshrac. Dagon 2, de la part du Nyx, qui vient d'arriver. Necro 3 aussi sur Nature's Prophet, qui a 4500 gold, pardon. Le Void, il a peut-être complété autre chose. Il a fait un Eagle Song. Le Bounty Hunter, il a complété autre chose. Il part sur un Désolator. Il lui manque 400 gold, 300 gold même. Ouais, le Dagon 2, il one-shot n'importe qui. Oh, Phantom Lancer, est-ce qu'il le voit?
Ils ont rien pour le voir? Oh, ils ont pas de gemme. Oh, c'est dommage. Oh, que c'est dommage. Là, ils le voient, par contre. Il pense pas que c'est une vraie élue? Il pense pas que c'est une vraie élue? Il vient de se remontrer? Il va se faire fumer? Le dagon qui vient d'arriver, il prend énormément de dégâts, il va se faire littéralement exploser. Oh, quelle erreur de ce Phantom Lancer. Alors, bien sûr, il voyait pas. Il voyait pas le Nyx Assassin. Le Beastmaster qui va peut-être se faire prendre un parti. Il y a une chrono, hein, je vous rappelle, à disposition si besoin. Le Spike de Carapace qui va être envoyé. La chrono, c'est peut-être le bon placement là pour mettre la chrono. Et voilà, chose faite. Le Keeper of the Light qui va se faire récupérer derrière, c'est l'Enigma, je crois. Non, c'est le Phantom Lancer qui a buyback et qui va se faire. Et c'est le GG. C'est le GG annoncé par Dignitas Virtus Pro qui s'impose assez facilement 25-7 et une démonstration, un Nyx Assassin incroyable, présent à peu près partout malgré un nombre de sentries hallucinant acheté par Fogd. Un Bounty Hunter qui a très bien joué sous tout SF of this world. Ok. Donc SF c'est science fan. Hein. Il adore la science, le Void. Donc voilà, BH, Bounty Hunter qui a été aussi magistral, vraiment magistral sur toute la durée et Void qui a fait son boulot, qui a farm, donc très très belle partie de la part des Visture Pro et du coup on va se retrouver pour le BO5, je vais essayer de me renseigner pour l'horaire. Donc on va attendre, est-ce que tout le monde a l'écho? Non, il manque un mec dans chaque équipe. Il lui a déjà demandé je pense. On attend juste que le Beastmaster live en fait. Pour mettre à jour le ticket. Ok, donc la finale commence à 20h, donc on aura le temps de faire de la merde avant. On aura le temps de faire avant, mais vraiment une très belle partie. Ah, c'est bon, le Void est en train de push. Bon, en fait, je reste parce que j'aime pas... Bon, attendez, je vais prévenir mes petits potes. Etc. Dire's middle tower has fallen. Dire's ancient is under attack. So Dire's ancient is under attack. Death photo. Return from Carterie. Light is wasted on the eyeless one. Dire's ancient is under attack. Et voilà, il m'écoute moi. Boum. Donc Inori vient de live et on va se... je vais essayer de regarder un peu à gauche à droite les petits trucs, mettre à jour. Je vais vous mettre un peu de musique et puis je vais vous dire ce qu'on fera. Donc rendez-vous 20h hein, pour ceux qui veulent savoir. La partie va bientôt se terminer. It is over. Voilà. Oh non, t'es sérieux? Ah si, c'est bon. J'ai peur, il y a marqué warning connexion problème en haut. Donc je me suis dit putain, on va se faire kick quoi. Bon bah voilà.